Bonsoir, 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 bienvenue à l'offrande du soir. Yes, c'est votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du soir. Je suis maintenant à New York et chez moi, à la gloire de Dieu. C'est un privilège de pouvoir vous saluer et puis de frapper à vos portes à cette heure sacrée. C'est le moment de l'offrande du soir, la 9e heure selon la Bible, 3 heures, alléluia, selon l'heure de New York, alléluia. De East, United States, encore la partie Est des États-Unis. C'est 3 heures. 3 heures en Haïti, 3 heures en République dominicaine, 15 heures à Paris. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer notre émission, alléluia, et nous ferons du soir avec la lecture de la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Épître de Pierre, chapitre 3. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre, chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs, Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, purent sauver à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Parole du Seigneur. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, évangéliste Augustin Jean-Hubert. Bonsoir, bonsoir,
Les travailleurs du royaume, bonsoir, bonsoir. Les travailleurs du royaume, encore, où êtes-vous situé, s'il vous plaît? Encore, où êtes-vous situé, les travailleurs du royaume? Fais-moi savoir, allez exactement dans quel endroit, dans quel pays vous êtes. Encore, bonsoir, c'est Matt Célestin, bonsoir, Martha Florixil, Victor. Jérubin, petit guitare maestro, comment ça va? Alléluia, bonsoir. Et Jason Data, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Moi, il va bien depuis hier la journée. Nous devons faire mettre là, nous devons aller pour là, nous devons être en retard, nous devons réveiller à 10 h du matin. Bonsoir, comment va-t-il? Marvel Renault, bonsoir. Carlin French, bonsoir. Et Cathy Joachin, alléluia, pas capable là, bonsoir. Carlin, et ensuite encore Sandy Edward. Qui qu'on doit regarder nous là? Where are you watching us? Où est-ce que tu nous regardes? Sonson. Que Dieu vous bénisse. Et Marie-Camille Ledoisin a été la première. Mireille Pousseli, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Évangéliste Augustin Jean-Hubert, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous vous saluons tous dans le nom du sang versé de Jésus. Je me sens flatté de pouvoir vous présenter cette émission et de voir encore de la piscine de Bethesda de Mendoza. Oh, ok. Les travailleurs du royaume de la piscine de Bethesda de Mendoza. Oh, ok. So, même depuis que je me fais 2 mois, l'autre bois, nous allons faire une connaissance avec les travailleurs du royaume. Je fais 2 mois à l'église là. Yes. Bon Dieu béni. Réunis le monde qui fait partie des travailleurs du royaume là pour moi. C'est Marie-Anne. Oh, ok. C'est Marie-Anne qui reçoit le travail. Tu vois. Bonsoir. Tout le temps qu'on a monté, on va connaître. Bethilly Joseph, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ketli Exumé de Boston, bonsoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons tous dans le nom du sang versé de Jésus. Laisse-moi, je vais essayer de jouer ça. Alléluia. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas. Yes.
Salut encore une fois depuis dans le nom du sang versé de Jésus. Nous saluons les membres du groupe Travailleurs du Royaume. C'est Willen, c'est Loudi et Évangéliste Joël, c'est Majorie Destin, c'est Raymond, c'est Elena et c'est Marie-Anne. Nous saluons c'est Monica depuis New Jersey. Comment ça va, c'est Monica? Ça fait longtemps, plus que 2 mois. J'ai passé 2 mois et 2 jours loin d'ici. Ça fait longtemps. Je salue de façon spéciale Elda Charles. Elda Charles, quelle est-ce que Elda Charles? Que Dieu vous bénisse, Elda Charles. C'est Ignace. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse, c'est Ignace. Alléluia. Yes, en pile love, en pile love. Thank you, thank you, thank you, thank you. Nous saluons-nous dans le nom du Saint Verset de Jésus. Alléluia. Yes. Et thank you, Kalin Katachalou. C'est encore. Yes, welcome back. Yes, I'm back. Jérôme Lacoste, congratulations on your new house. God bless you, God bless you. Welcome, welcome, and God bless you. Enjoy your blessing. Hallelujah. This is the American dream. D'accord, God bless you. Hallelujah. Nous saluons Shelley, Julien, Gervais Sanon. Nous saluons Mésida, Lazare, Bethudy et Bethude. Faut-il tous les deux ensemble. Et yes, nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. Et puis, n'oublie pas de partager. Moi, écris sur message. Non, moi, pas connecté sur message. Moi, efface le message. Si on écrit, m'écrit sur téléphone. Moi, 347-359-0495. Tout le monde qui écrit sur message, bah, encore, moi, efface le message. À ton problème, à message ça. Message a créé ton problème. Moi, efface tout le message. Si on avait écrit, moi, écris-moi sur 347-359-0495. Sur WhatsApp là, allez sur YouTube, la vidéo YouTube Bethesda, et bien après 347-359-0495. Ok, ah, d'accord. Bon retour, merci Elda Charles. Delou d'Elia, ça fait longtemps. Alléluia, c'est Delou, comment ça va? Yes. Nous saluons, qui laisse encore? Yes, c'est Monica. Framayeur, Babilaye, bonsoir. Que Dieu vous bénisse, foi Maïe, Babilaye, yes. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous venons de lire la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 3 qui parle de soumission. Femmes, soyez soumises à vos maris. Mais il y a beaucoup, beaucoup de dents qui ont été versées encore concernant et encore ce verset. Car l'adverbe est grec utilisé pour le mot. D'accord, de même, c'est homoyos, ou bien homoyos, ou bien homoyosus.
C'est un terme qu'on utilise aussi et dans la théologie, d'accord? Quand on parle de Jésus, par exemple, ce terme a été développé lors du concile de Nicée en 325 et puis concile d'Éphèse aussi, quand on parlait de Jésus, encore de même nature que le Père, on a utilisé homoios, homoios. Homoios signifie de même. Mais encore, il y avait déjà un verset, yes, alléluia, et le verset 1 Pierre 2, verset 13, si vous voulez, encore 1 Pierre chapitre 2, le verset 13, on avait utilisé ce même adverbe homoios. Homoios signifie de même. Homoios, de même. Alléluia. Soyez, là où il est dit, soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain. Soyez soumis, alléluia, homoios, accord, de même. D'accord, comme nous avons lu dans le chapitre 2, le verset 13. Pourquoi Pierre demande-t-il à cette soumission toute autorité de droit son existence à Dieu? Lui désobéit, c'est indirectement désobéir à Dieu, et moins, à moins qu'on ne commande quelque chose. Donc, le verbe grec traduit par soyez soumis signifie plutôt prenez votre place et votre responsabilité dans l'ordre, un ordre institué par Dieu. Donc, c'est ainsi qu'on a utilisé encore soyez soumis. Ici, c'est pas à la manière des esclaves. Donc, il y a tout le monde qui dit, bon, un verbe là, il dit encore soumettre ça. Jean a utilisé le verbe soumettre là. C'est dans le sens côté, encore, esclave là, doit soumettre à maître lui. Et encore, ce même verbe ça a été utilisé pour esclave là. Alléluia, soumettre à maître lui. Et en connaissant ça, est-ce que, encore, Pierre parlait que la soumission de la femme à son mari, est-ce que les deux de même encore à la soumission d'un esclave à son maître? Donc c'est gros débat ça qui fait verser beaucoup d'encre. Alléluia. Donc c'est ça que nous prenons. Donc je dis, à première vue, verbe, encore adverbe homoios là, homoios ou bien homoios. Li encore, li vene apre le direktiv donè ou ankor, se yo serve avè mèm mò sa, apre direktiv ke yo bay a esklavyo, aleluya, etc. Donc, il dit, est-ce que c'est même genre? Ensuite, il examine le sens d'expression de même nom dans le verset A, en pile exégèse, voix antécédent des adverbes, ça, dans soumettez voix, que nous te joignons aussi dans chapitre 2, verset 18. Serviteurs, soyez soumis en tout cas à vos maîtres. Le mot serviteur ici, dans encore 1 Pierre 2, 18, c'est le mot grec, alléluia, doulos, qui signifie esclave. Donc, esclave, encore capable de traduire par esclave, soyez soumis à vos maîtres. Alléluia, à vos maîtres. Ici, encore là, est-ce que ces mêmes bagailles-là, le soumettre ici, la soumission commandée aux femmes à leur mari, est-ce que cette soumission, les mêmes gens avaient soumission qu'esclave-là doit soumettre à maître-là, parce que c'est même mot, même verbe-là, etc. Alléluia. Comme ces derniers devaient se soumettre à leur maître aussi, les femmes chrétiennes devaient se subordonner à leur mari. Quand puis le commentateur qui fait ça, et encore là, il vient mettre une sorte d'infériorité encore à la femme là. C'est encore. Mais ce que dira Pierre en particulier dans le verset 7, les preuves encore, il pourrait paraître devant dans même 1 Pierre 3, verset 7 là, il pourrait dire, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible, honorez-le. Là, comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que ne vienne pas un obstacle à vos prières. La nouvelle vient dans le verset 7, là, nous est soumission, ça vraiment, selon le verset 7, parce qu'il a demandé à Marie à tout. Encore montrer à votre tour, c'est presque le même aussi. Donc, montrer que la relation d'une femme envers son mari n'est pas comparable à celle d'un esclave envers son maître.
tout. Si vous voulez ça, on s'élevesse, ou pas qu'on s'élevesse pour faire un doctor, ou pas qu'on s'élevesse tout pour faire une opinion. Faut encore prendre tout là. Nous, je prends encore si vous avez tourné côté, vous avez parlé là. Encore 1 Pierre chapitre 2, verset 18, côté serviteur ou bien esclave, soyez soumet à maintenant. Et puis 1 Pierre 3, premier femme, soyez soumettre à Marie, non. Mais là, nous faisons ça, nous garder 1 Pierre 3, verset 7, là, il dit, Marie, montrez à votre tour, même gentil. Donc, à l'aide de ça, nous jouons côté soumission, ça. C'est pas soumission ma femme à Marie, hein? C'est pas une soumission d'esclave à son maître. C'est pas soumission d'esclave à son maître. Alléluia, à cause du verset. D'autre part, Pierre utilise la même formule, là, de même, homoios. Homoios, là, de même, non, alléluia, signifie la soumission volontaire, d'accord, il doit avoir, quoi, etc. Donc, on dit, au lieu, il rachète de même, non, verset 18, là, il rachète, non, verset 13, là, on te voit, non, verset 13, là, etc. Bon, qu'on y a encore, il dit, il pourrait le parler, non, et un concept de du encore dans le chapitre 2, verset 13 à 17 là, de ne faire encore soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité, soit gouverneur, car c'est la volonté de Dieu, et etc. Dans la partie qui parlait de soumission, ça, il parle encore, il dit, pour capable soumettre à l'exemple de Christ. À l'exemple de Christ. C'est une soumission à l'exemple de Christ, pas une soumission encore à l'exemple d'un esclave à son maître. Mais c'est une soumission à l'exemple de Christ. Il pourrait aller lister encore, cet esprit de déférence envers tous, y compris envers ceux qui le traitent injustement. Allez, son soumission envers tous étant créature. Je dis encore, il pourrait le baron l'autre mot encore. Le verbe se soumettre, que baron encore, hypotasso. Le pauvre mot grec là, hypotasso, alléluia, se soumettre, l'impliquer dans le monde grec l'abandon de ses droits ou de sa volonté. Hypotasso, hein, se soumettre là, ça veut dire c'est abandonner droit aller, se soumettre, ça veut dire abandonner droit aller, encore, ou abandonner volonté. Dans le Nouveau Testament, il indiquait une soumission volontaire. La soumission de Jésus à ses parents, quoique Jésus est Dieu, mais alléluia, mais l'utiliser encore verbe là, ou potasso, et encore, il impliquer, encore, il abandonner ses droits et sa volonté à ses parents. Ils obéissaient. Dans Luc 2, 51, regardez encore Luc chapitre 2, verset 51, regardez ça. Dans l'exemple de Christ, toujours, Luc 2, 51. Puis il descendait avec eux pour aller à Nazareth, il leur était soumis. Il leur était soumis. Alléluia. Il leur était soumis. Jésus te soumet à maman, Marie, et à bon père, Joseph, comme son père adoptif. Donc, encore ce verbe soumettre là, en grec là, c'est encore hypotasso. Il en hypotasso. Hypotasso se soumettre là, qui voulait dire encore abandon de ses droits ou de sa volonté. D'accord. Donc Jésus se soumettait à Marie, il abandonnait ses droits et sa volonté, d'accord, même sa divinité. Malgré encore là, nous pas parler dans Philippiens, en chose, j'aime parler dans Philippiens, alléluia, un Dieu, le Dieu qui a abandonné sa gloire, encore qui s'est dépouillé de sa gloire, encore il est parlé de la kénose, un dépouillement volontaire, d'ici là, hypotasso, alléluia, abandon de ses droits et de sa volonté. Abandon de ses droits et sa volonté. Et encore, kénose là, le dépouillement, alléluia, ce dépouillement encore total de sa gloire. Donc, dans le Nouveau Testament, il y indiquait une soumission volontaire. La soumission de Jésus à ses parents, c'était une soumission volontaire, pas une soumission forcée. Mais encore, la soumission de prisonnier, encore, n'est pas volontaire. La soumission d'un esclave, c'est pas volontaire, il est forcé. On l'a pris en esclavage. La soumission de quelqu'un qui est kidnappé, encore, c'est pas une soumission volontaire. On dit, on fait ce qu'on veut. La police l'a arrêté. Ou de soumettre, après ça, voilà. Donc, c'est pas ça. Mais on dit, encore, là, nous avons récemment parlé de soumission volontaire. En soumission volontaire. Alléluia.
Alléluia. Si une femme se soumet à son mari, cela ne signifie pas qu'elle lui soit inférieure. Donc, ce n'est pas une soumission dans le sens de supériorité et d'infériorité. C'est pas, on ne parle pas de la supériorité du mari sur la femme ou bien l'infériorité de la femme à l'égard de son mari, mais c'est encore, allez, encore une soumission volontaire. Dans 1 Pierre 3, premier, encore, Pierre précisait que la femme doit se soumettre à son propre mari. Ce mot implique d'abord la relation intime qui existe entre les deux conjoints à son propre mari. Par encore, les femmes doivent soumettre aux hommes. Ok? Il n'a pas dit que les femmes doivent soumettre aux hommes pour capable parler de supériorité, de sexe féminin, etc. Non. Et encore, il dit c'est dans relation entre monsieur et madame, non, dans nos relations, comme son conjoint. Il doit délimiter aussi clairement la responsabilité de la femme. Ce n'est pas à tous les hommes qu'elle doit se soumettre. C'est pas une femme n'a pas de soumettre à tout garçon, mais doit encore à son mari dans la relation. Encore conjoint, encore entre deux conjoints. Mais dans le cadre de ses relations avec son mari seulement. La raison de cette soumission est donnée dans en chapitre 2, à 1 Pierre 2, 13, là, côté dit soyez soumis à cause du Seigneur. Ok, encore à cause du Seigneur, c'est par amour pour le Seigneur. Le mot à cause signifie c'est par amour pour le Seigneur, par amour pour le Seigneur, à cause du Seigneur, par amour pour le Seigneur. Alléluia. Donc le bagage nous accepté, c'est à cause du Seigneur, par amour pour le Seigneur que les nous accepté, donc etc. Donc pas par crainte de sa colère, c'est pas parce qu'on pèle pour pas en colère c'est ma voix. C'est pas ou pas soumettre parce que à cause de reproches ou bien de critiques li, ou bien pas soumettre pour éviter des conséquences désagréables ou bien pour le manipuler ou même le persuader, mais parce qu'il aime le Seigneur. Donc encore soumission, ça c'est soumission qui fait encore par amour pour le Seigneur selon 1 Pierre 2 13. Alléluia. À cause du Seigneur, par amour pour le Seigneur, mais parce qu'elle aime le Seigneur et qu'elle veut lui plaire par son obéissance, et qu'elle croit qu'elle peut utiliser cette obéissance pour sa gloire. Si encore le mari n'est pas chrétien, la soumission de la femme à son mari peut pousser encore cet homme à devenir chrétien. Yes. Du coup, ouais, encore, wow. C'est encore cette soumission, c'est à cause du Seigneur, pour le gagner, alléluia, encore, afin qu'il puisse encore cette obéissance pour la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'une femme doit aussi se soumettre à son mari lorsqu'il lui demande quelque chose de contraire à la volonté de Dieu? Non. Non. C'est une chose grave pour une femme. Alléluia. Alléluia. D'envisager de ne pas se soumettre à son mari. Mais cependant, dans de nombreux exemples de l'Écriture, Dieu a approuvé les siens qui ont refusé d'obéir aux hommes lorsque cela signifiait désobéir à Dieu. Yes. Laisse ça, c'est encore si obéir. Encore, à mon nom signifie désobéir à mon Dieu. La Bible pas d'accord, laisse ça. Alléluia. La Bible pas d'accord, laisse ça. Alléluia. D'ailleurs, encore, c'est pas dans, c'était si Dieu fait un bagage qui pas dans volonté, bon Dieu, ou pas tenir d'obéir à ce moment-là. La Bible pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Il pas tenir pour capable obéir dans ça. Voilà, il pas encore. Donc, c'est ça, dit là. So, et qui ça nous dit encore? Non, par exemple, les sages femmes qui ont épané la vie aux garçons hébreux, contrairement aux autres du Pharaon. Depuis dans l'Ancien Testament, nous disons, ouais, les femmes sages, ok, ils ont désobéi. Ils ont désobéi aux ordres du roi. Quoique la Bible prône l'obéissance aux autorités, mais cette obéissance, c'est seulement si c'est dans la volonté de Dieu. Donc, si pas dans la volonté de Dieu, nous ne tenons pas d'obéir. Il nous faut plutôt souffrir. C'est ce qui est arrivé à l'époque de l'histoire, dans l'histoire de l'Église, à l'époque de la persécution de l'Église. Les gens refusaient catégoriquement de dire qu'encore Curios Caesar, Seigneur César. Ils disaient plutôt Curios Jesus. Ils refusaient de se prosterner devant l'image ou la statue, alléluia, de l'empereur. Dès qu'il t'en parlait, nous déjà, le culte de l'empereur, il commençait avec, alléluia, je me dis, non, c'est après Jules César, on parle avec César Octave, qui parle de César Auguste.
N'oubliez, l'aime-t-en-faire, c'est moi ça. Après Jules César, on parle bien César Octave, qui parle de César Auguste. César Auguste, et encore, c'est seulement font bon travail avec ce qu'on appelle la Pax Romana, la paix romaine. Avec la Pax Romana, il dit qu'il y a la paix dans tout l'Empire romain. Et c'est encore même les pirates de mer allaient encore te disparaître, etc. Mon yo capral en mer, sans yo papé, on bateau vint pirater toute marchandise. Comme je dis en Haïti, vous voyez encore les bandits pirater, n'importe bus qui a passé, yo pirater, yo prend le point tout bas. Là, c'est comme ça te gagne, c'était comme ça te fait plus encore par mer, par bateau. Il y avait des pirates de mer avec encore César Auguste, bien César Octave, et bien nous voyons de côté. Et si vous voulez ça, les gens de Pergame, ils vont aller d'un côté César Auguste pour dire, pour Jean font bon travail, est-ce qu'on peut maintenant, nous capables d'adorer comme Dieu? César Auguste, d'accord. Et depuis lors, il vient instituer ce qu'on appelle le culte de l'empereur. Le culte de l'empereur, l'adoration de l'empereur comme Dieu, c'est pour ça qu'il est dit César, Seigneur, Curios Caesar. Seigneur César. Alléluia. Et on exigeait les gens encore à se prosterner devant l'image de l'empereur, quel que soit l'empereur pour montrer, c'est tout l'empereur pour le venir après, il pourra le continuer. Et lors de la persécution, encore les dix grandes persécutions, 16 empereurs exigeaient encore le culte encore à eux-mêmes. Donc encore, alléluia, depuis ça, le culte de l'empereur a commencé. Mais les chrétiens refusaient catégoriquement de se soumettre. Ils portaient ça, à se soumettre à l'empereur. Alléluia, ils préféraient la mort. Ils préféraient le martyre, la mort. Donc c'est ça, nous disons là. Alléluia, nous disons comme ça. Est-ce que femme n'a pas obéi à Marie? Ici, c'est encore obéissance, sans pas dans la volonté de bon Dieu. Depuis ça, le faire, pas dans la volonté de bon Dieu. Encore, on doit refuser catégoriquement d'obéir. Alléluia. Alléluia. Nous jouons un exemple, hein? Non? Alléluia. Exode chapitre 1, verset 15 à 22. Exode 1, 15 à 22. Nous sommes suivants ensemble avec moi. Non, non, livre Exode, là, deuxième livre. Et dans la Bible, là. Encore, deuxième livre dans la Bible, là. Alléluia. Vous voyez encore, le roi d'Égypte, ou bien le pharaon, capable de dire le roi d'Égypte, ou capable de dire le pharaon d'Égypte, on ne peut pas dire le roi pharaon. Okay? Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Chifra et l'autre Poua. Chifra et Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laisse-la vivre. Alléluia, laisse-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Donc là, nous voyons, si vous accordez, nous continuons. Alléluia, et Dieu, les femmes d'Égypte, les femmes sages d'Égypte refusaient catégoriquement d'obéir aux ordres du roi d'Égypte, mais du pharaon d'Égypte. Alléluia. Donc il dit encore, est-ce qu'une femme doit aussi se soumettre à son mari lorsqu'il lui demande quelque chose de contraire à la volonté de Dieu? La réponse est non. À l'exemple des femmes sages d'Égypte qui refusaient encore de se soumettre, d'obéir aux ordres de Pharaon, qui leur commandait, si c'est un garçon, de le tuer, si c'est une femme, de le laisser en vie, etc. Les trois amis de Daniel qui ont refusé d'adorer la statue, c'est ce même bail-là. Les trois amis de Daniel, dans Daniel chapitre 3, ils ont refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar, qui est encore que Nebuchadnezzar avait élevé, alléluia, dans la province de Doura. Alléluia, Doura, à la plaine de Doura. Ils ont refusé, d'accord, parce que c'est pas la volonté de Dieu. On voit aussi Daniel aussi a refusé d'adorer, alléluia. Daniel aussi a continué de prier son Dieu, même encore d'après l'ordre, même après l'ordre sévère du roi. Alléluia.
Il a continué de prier son Dieu, malgré l'ordre royal, dans Daniel chapitre 6, dans Actes chapitre 5, 17 à 32. Les apôtres ont prêché le Christ, désobéissant aux autorités religieuses. Actes 5, quand on les interdisait de prêcher encore en ce nom. Allez, je dis encore, on les interdisait de parler en ce nom. Mais ils continuaient à prêcher. Actes des Apôtres, chapitre 5, 17 à 32. Vous avez encore ce passage quand nous avons étudié Actes des Apôtres. Alléluia. Il dit encore, jugez-vous bien. Faut-il obéir à Dieu ou bien plutôt aux hommes? Donc, on peut obéir aux hommes si c'est la volonté de Dieu, mais si l'exigence est contraire à la volonté de Dieu, il faut les désobéir. OK? Etc. Donc, il s'ensuit que l'autorité de mari sur sa femme est limitée. L'autorité de mari sur sa femme est limitée. Encore, elle n'est pas obligée de lui obéir lorsqu'une telle obéissance signifie désobéir à Dieu. Par exemple, en renonçant au Christ ou en commettant un acte immoral. Encore, si votre mari, alléluia, vous demande de désobéir à Dieu, alléluia, il faut refuser. Si votre mari vous demande de commettre encore un acte immoral, il faut désobéir. Vous connaissez ce qui a passé dans le monde là, mari qui encore mène un enfant, mène encore trop qui fille avec l'autre garçon, ou pas d'accord. Mari fait pariage sous femme pour madame yo. Mais si vous avez pariage pour vous, même si vous encore, ou pas d'accord avec pariage là, pour le pariage avant l'autre même. Non, c'est un acte immoral. Donc ou pas doué faire ça. Alléluia. D'accord. Par contre, tant qu'aucun principe biblique ne s'y oppose et qu'il ne s'agit que de questions secondaires relatives aux goûts différents, à la question d'aliments, d'habits, de habits, de la manière d'exprimer leur intimité en tant que couple, etc., dont la femme s'efforcera de faire son possible pour plaire à son mari, avec limite. Alléluia. Le mari, de son côté, s'efforcera de respecter les sentiments de sa femme et de ne pas lui imposer ce que sa conscience reprouverait. Oh yes, donc l'obéissance là, entre madame et mari est limitée. Encore s'il n'est pas dans la volonté de bon Dieu, il n'est pas doué continuer. Quoi que le verset a dit, femme, que chacun soit soumise à son mari. Sur ce verset, oui, nous étions là dans la. Le mot traduit pas de même qui dit encore au mot. Yosla, disent aussi encore Vauguin, signifie pas que la soumission de la femme à son mari est analogue à celle de l'esclave à son maître. Donc pour moi qui est petit, et encore, je te prends le verset 18 là, et Pierre 2, 18, encore serviteur, bien esclave, soyez soumis à ton maître. Et puis là, il venait encore Pierre 3, première femme, soyez de même, soyez soumise. Non, la soumission de la femme à son mari n'est pas. D'accord, semblable à la soumission de l'esclave à son maître. La femme n'est pas esclave du mari. Ok? C'est encore, etc. Ce mot grec est souvent utilisé comme un mot de transition pour séparer des thèmes qui se suivent en série. Tout comme nous utilisons ensuite, elle dit ensuite, etc. C'est encore utilisé de même, non? Ici, il note que le paragraphe qui suit fait partie de la série, la même construction, même bagaille là, nous jeune là. Ok, encore. Quand il y a la question qui posait, comment la femme antique pouvait-elle être soumise à son mari sans renier sa foi? Question de poser, est-ce qu'il est encore capable de soumettre si pas la volonté de Dieu? Comment il est capable encore? La situation de la femme antique était effectivement telle qu'il lui était difficile d'être soumise à son mari sans suivre les rites du paganisme. En particulier, sur relative aux divinités domestiques, il paraît inconcevable qu'une chrétienne se marie à un non-chrétien lorsqu'on connaît les rites du mariage antique assortis de différents rites religieux de dévotion aux dieux. Voilà. C'est difficile. Nous disons, c'est peut-être ça, la Bible dit, encore pour une femme chrétienne, pas de marier avant un garçon païen. Yes, une femme chrétienne pas de marier avant un garçon païen parce que vous connaissez dans la cérémonie après un rite païen là-dedans. Yes, il y a pas un rite païen là-dedans. Yes, il y a pas un rite païen là-dedans. Donc c'est que ça a été interdit pour les femmes chrétiennes de se marier avec les non-païens, les chrétiens, les païens. Alors,
Je dis que, encore là, avant de pénétrer dans la maison de son mari, elle devait oindre les linteaux de sa porte avec de l'huile ou de la graisse. C'est comme ça le dire. Encore là, avant pour l'entrée, la caille Maria, il était doué, et encore, oindre les linteaux de porte là, avec encore, linteaux de porte là, avec et l'huile, ou bien avec graisse. Tout ça, son coutume païenne. Ou bien, encore, à l'intérieur, elle devait allumer le feu dans le foyer avec son mari, puis elle était aspergée de l'eau. Nous, j'aime bien quelqu'un encore qu'elle marie dans quelque église américaine qui paraît qui vient avec cul, ça y est. Nous, j'aime bien encore marier avec le mariage, c'est mon chrétien. Ou nous, machine dans l'église américaine, puis l'église a un culte, on rite païen là-dedans. Il faut allumer les bougies. Son rite païen, c'est même pareil là, tout oui, là. Encore nous jeunes là, dans quelques rites païens, pour entrer, on tient encore l'humain du feu. C'est même pareil ça que encore l'église yo continue, dans le mariage, l'humain bougie. T'es un rite païen pour femme avant de te Maria, pour l'humain du feu. Je dis, ah, yo fait la cérémonie mariage, yo. Encore mon yo dit, c'est américain, encore. On prend un rite païen, puis chrétien, nous, on prend un rite païen. Il n'y a pas un rite païen pour encore les mêmes bougies dans la cérémonie. Hein. Alléluia. Alléluia. Yes. Il y a les mêmes bougies. Il y a encore aspergé. Il y a un pot avec graisse en voyant entrer. Je ne vais pas prendre encore là pour prendre l'huile sainte. Non, c'était l'huile sainte. C'était l'huile sainte. Oh, je me sens que l'huile sainte passe devant la porte avant d'entrer dans la caille. Non. Ouais, ben là. C'est comme ça, etc. Et encore, il dit comme ça, à l'intérieur, elle devait allumer le feu dans le foyer avec son mari. Quand elle a essayé d'encore monsieur à madame pour les mêmes bougies, même bagaille, nous faisons dans quelques mariages. Encore, les Américains, nous aimons aller. Là. Encore, il dit encore pour les mêmes bougies. Nous avons aidé monsieur à madame dans les mêmes bougies, même bagaille là. Alléluia. Puis, et encore, etc. Puis, elle était aspergée de l'eau, et puis, elle a aspergé mon âme avec de l'eau. Par ses rites, elle acceptait de partager la vie domestique et religieuse de son époux. Donc, avant de se mettre au lit avec lui, elle devait dresser une prière à Junon et à Saint-Sia, toujours encore au monde qui marie avec païen. Mais encore avant de rentrer dans l'une de miel là, elle devait mettre une prière à Junon et Saint-Sia. Junon écrit J-U-N-O-N. J-U-N-O-N. Et puis Saint-Sia a écrit C-I-N-C-I-A. D'accord, je te dois faire une prière avant pour y aller encore coucher avec Maria. Je te dois faire ça dans le rite païen. Ok? Donc c'est pour ça, la Bible dit, ou pas capable encore avec toi avant païen sous même joug. Sous même joug. Parce que ou après le faire une série de bagailles qui n'est pas biblique. On va qui pas biblique, qui a pas le monde de faire ce rite-là, c'est qu'on s'allie, etc. C'est qu'on s'allie. La déesse, encore, il dit, la déesse à laquelle était consacrée sa ceinture, signe de sa virginité. Cynthia, c'était une déesse, c'est encore, c'était à lui-même qui était consacré, et ce qu'on a encore ceinture, qui est encore signe de virginité, parce que dans tant longtemps, on n'y a pas de camarade, puis on n'y a pas vierge, et qu'on s'abat la télé. Et je dis à mon ami, dans toute affaire, il y a cet endroit. Yeah. Mais dans longtemps, c'est pas comme ça. Il faut donner tous les deux mounions de vierge, fille, comme garçon, etc. Et encore, mais encore, on n'est pas garçon, pas qu'à prouver, mais pas fille. Il faut faire le prouver, il faut être capable de prouver la virginité. Donc, c'est pour ça, avant, pour y aller coucher, il faut dédouer d'abord, encore, mettre à genou, puis adresser une prière à Junon et à Saint-Sia. Ok? Encore moi qui encore dit du Junon écrit J-U-N-O-N. Alléluia. Junon. Et Saint-Sia. Junon et Saint-Sia. Yeah. Junon et Saint-Sia. Vous pouvez googler pour vous pouvez vous dire. Il n'y a pas de Junon. Oui, nous cherchons, nous chercher une réponse pour y parler encore Junon avec encore Junon. Donc nous disons que encore et n'après le terminé, histoire c'est 41, mon titan. Nous dit elle devait s'asseoir nue sur le phallus du dieu de la fertilité appelé Montinus, Tounounus, Tounounus. Yes, tout ça oui, encore monde qui marié
avec un païen, un cul païen longtemps, non seulement les deux doivent être tout comme ils ont fait, avant de rentrer la caille Maria, ils doivent être en l'intro, ils portent là avec l'huile bien graisse. Deuxièmement, les rivets en dedans, ils doivent lui mettre du feu dans le foyer avec son mari, puis ils doivent asperger avec de l'eau. Ensuite encore, je te dis encore, avant d'aller coucher, je te dis encore, adresser une prière à Juno, Essentia, déesse de la vie qui consacrée encore, qui comme signe de virginité. Maria, lui-même, je te dis détacher Saint-Uli et je te dis chita tout tourner sous encore, phallus Dieu de la fertilité, appelé les Moutinous, tous là. Et puis la rutilation sexuelle, c'est livré, était ponctuée par une série d'invocations à diverses divinités régissant les différentes phases de l'acte sexuel. Tout ça aussi, encore monde qui m'a y avait pas rien, etc. Le lendemain, la jeune épouse recevait les différents membres de la parenté et faisait son premier sacrifice au Dieu de son nouveau foyer. Yes, c'est comme ça que tu fais. Plus tard, il convient à une femme d'adorer et de connaître seulement les dieux dans lesquels croit son mari et de fermer sa porte à toutes les superstitions étrangères. Depuis ces dieux Mahou la servi, il faut offrir sacrifice à toutes, etc. Le lendemain après mariage là, mais il pouvait arriver qu'une jeune femme soit mariée contre son gré à un non-croyant par ses parents, parce que j'en ai entendu il y a quelques mariages qui étaient forcés. Donc, dans l'église, le cas de femmes croyantes mariées à des incroyants devait être plutôt rare. Je dis dans l'église, il n'y a pas de temps. C'est pas ton bagage qui était ordinaire pour une jeune femme chrétienne à le marier avec un païen. C'est quelque chose qui était très rare. Alléluia. On peut le déduire de la formation du conseil de prière. Au cas où certains ne croiraient pas. Alléluia. Et encore, même si. Et etc. Suppose que ce cas est plus rare que celui où les yeux la croix. Puis elle suppose le cas le plus difficile, celui de Marie, encore, alléluia, encore, ce mot lui indiqué, encore, ouvertement, activement, etc. Donc je dis, il implique toujours la désobéissance envers Dieu ou ses commandements, et certainement plus qu'une croyance passive. Certains de ses maris dépréciaient, critiquaient certainement leurs femmes devant leurs voisins et leurs parentés, car dans le contexte, on attendait d'une femme qu'elle suive la religion de son mari. C'est comme ça, elle était dans tout ça. Ne pas se soumettre aux rites religieux, à cause du mari était considéré comme un signe d'insubordination. Une telle femme pouvait s'attendre à de violentes critiques et de durs traitements de la part de son mari. Tertullien, pour le faire, nous connaît aussi que décrit diverses contrariétés qu'un mari non-croyant pouvait imposer à sa femme pour l'empêcher d'assister aux réunions chrétiennes. Ok, il arrangea une rencontre familiale, premièrement, alléluia, une fête ce jour-là, impossible de concevoir qu'il autorise à se rendre aux maisons pauvres pour visiter les malades ou des personnes âgées. On lui permet d'assister à des réunions nocturnes, d'aller dans une prison pour embrasser les chaînes de mentir ou de donner de baisers fraternels à des frères. Tout ça, oui, c'est comme ça que tu fais. Donc c'est comme ça. Mes amis, pour me parler des solutions, ça, on n'a pas plus le temps. Encore verset ça. Verset ça fait couler en pile l'encre. Ce n'est pas des l'encre. Alléluia. Malgré l'inconvénient, ça y est, Pierre demande aux femmes mariées à des non-croyants d'honorer leur époux. Et encore suivant l'exemple de Christ qui était encore là. Il n'y a pas vendu pour servir, pour aller là, mais honorer eux juste encore pour capable au moins par l'amour pour Christ. Mais ce n'est pas désobéir pour aller servir idole. Cette soumission a toutefois les limites lorsque le mari leur demande de faire ce que Dieu interdit. La parole de Dieu nous donne divers exemples d'insubordination aux autorités pour obéir à Dieu. Nous voyons encore plusieurs exemples. Alléluia, nous avons eu l'exemple premier 15 ans. D'accord, les femmes, nous avons eu Daniel 3, nous avons eu Daniel 6, nous avons eu Actes 5, 29 ans, nous avons eu ça et tout. Femmes sages ont désobéi à l'ordre roi Égypte. Les amis de Daniel ont refusé plutôt aller dans la fournaise là. Daniel plutôt aller dans la force au lion. Encore monsieur revenant dans Actes des Apôtres chapitre 5, 29 là. Commettre un péché pour obéir à son mari serait-elle désobéir au Christ? Alléluia, etc. Donc le but de la soumission de la femme est de gagner son mari sans parole par son comportement. Gagner est un terme commercial s'appliquant à un gain financier, mais dans l'usage chrétien, ce mot signifie l'amener à Christ.
Alléluia. Paul pourra l'employer 5 fois dans 1 Corinthiens 9, 19, là, le comportement de Pierre, comment on implique un esprit dénué d'argumentation, l'absence de propagande verbale. Il doit encore harceler constamment son mari, mais s'il pose des questions, être prêt à répondre avec douceur et respect pour gagner son parole. Mes amis, que bon Dieu capable de bénir, que bon Dieu capable de faire grâce, nous sommes contents de présenter cette émission. L'offrande du soir, ou capable de suivre nous encore dans aller sur YouTube. Parce que si Facebook là, est allé, mais YouTube là, puis durer. Allez sur YouTube là, encore aller l'offrande du matin et du soir, abonnez avec lui. Et puis là, monter en vidéo, vous rejoignez. Et puis là, vous capable de repasser étudier. Chaque offrande du matin ou du soir, vous avez une étude biblique dans vous. So, vous capable aller, vous capable d'étudier. Donc, c'est un plaisir de vous présenter l'émission. Ça, nous saluons encore Guito Dougé. Que Dieu vous bénisse, qui t'a qui côté à regarder nous. Encore Lucie Tadreux, comment ça va Lucie Tadreux? Alléluia, comment et petites filles yeah. Tamara Loneda. Alléluia. Quel l'exemple, God bless you. God bless you. Alléluia, chérie, bye bye. Alléluia. Et Ludi Baldes, que Dieu vous bénisse Ludi Baldes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et Thérèse là où est dans, comment ça va, c'est Thérèse? Que Dieu vous bénisse. Marie-Josée Souffrant, bon Dieu bénir. Émile Smith, alléluia, côté Nadège. Eliman Petit Homme, ah, comment est-ce? Maman Saint, comment est-ce? Maman Grande Saint, comment est-ce? Jean Féniel Frédéric, que Dieu vous bénisse. Qui côté vous regardez nous, Jean Féniel Frédéric, qui côté vous regardez nous? C'est Thomas, comment il est là, c'est Thomas? Que Dieu vous bénisse. Mélissa Joseph, bonsoir. Anne-Belle Fanon, que Dieu vous bénisse. Deloude, et puis Elda Chal. Et tout le monde qui était branché. Père très saint, dans le nom du Saint-Verset de Jésus, nous voulons te saluer, te louer, te remercier pour les multiples bienfaits dont nous sommes encore l'objet de ta part. Alléluia. Et tu nous as encore bénis de toutes sortes de bénédictions. Et nous voici encore la plus grande des bénédictions, c'est de conserver encore le souffle de vie en nous. C'est de nous garder encore sur la terre des vivants. Pendant que bon nombre sont en train de tomber à chaque seconde, Seigneur Dieu. Alléluia, maître encore pour nous, encore qui sommes là. Tu nous as accordé le privilège encore, Seigneur, de pouvoir avoir, d'avoir la respiration, le mouvement et l'être. Merci pour qu'elle exhumé, cher Julien, Lucie Tadeu, Guito Dougé, que nous bénissons à cette heure sacrée. Agis pour nous dire, Baldès, Caroline French, Dieu mot, alléluia, Caroline Cantal Chalot. Agis pour cette Thérèse Laouédan, Marie-Josée Souffrant, Émile Smith, Nadège Février, Eliman Petit Homme, sans oublier, c'est, alléluia. Et maman vient d'arriver, alléluia, n'oublie pas de toucher Enoch, Géralda, maman, alléluia, Gio Jix, Ethan, et Erika, alléluia, n'oublie pas de visiter Merci Tan Joseph, encore Anderson, Merdoché, et Tanika, et Jeremiah, et Tanika, Jeremiah, et les deux autres. Alléluia. Agis aussi pour Saint Thomas, pour Jean-Féniel, Frédéric. Agis pour Mélissa Joseph et Carlens. Agis pour Anne-Belle Stefanor, Delou d'Elias, Elda Charles. Agis, Seigneur Dieu, pour Saint Ignace. Agis, alléluia. Et pour Saint Monica. Agis pour Famaye, Babilaye. Dieu mot, Seigneur Dieu, pour Marie Lebrun. Alléluia, Frère Lebrun. C'est Ignace. Agis, Seigneur Dieu, pour. Et c'est Elena. C'est Raymond, Majorie Destin. Évangéliste Joël. C'est Ludi Bades. Et alléluia. Et c'est Willen. Dieu mot, pour groupe en contre-travail du royaume. Gervais Sanon. Agis pour Monide Jean-Baptiste. Agis pour Cathy Joachim. Mireille pour Célu. Fais grâce, Seigneur Dieu, pour Frère Chalot. Fais grâce pour Jérôme Lacoste. Agis, Seigneur Dieu, pour alléluia, et Mésida Lazare. Dis un mot pour Dili Joseph et Betty Joseph. Agis pour alléluia, et évangéliste Augustin Jean-Hubert. Agis pour ses maths. Dis un mot pour Seigneur Dieu, pour
Mata, Florexil, Victor, Jérubin, Romus et Moïse, faire grâce, alléluia, vous encore faire Dissonac, Datas, pour Mavel, Renaud, agis Seigneur, pour Caline, French, Cathy, Joachim, agis Seigneur Dieu, Dieu mot selon ta puissance, Dieu mot pour Sonson, Sondi, Edouard, Dieu mot pour Marie, Camel, Edouard, Zin, et tant d'autres, Seigneur Dieu, qui ont été avec nous, permettre que ton onction repose sur eux, dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Et ça, Nazir Nawa, Nazir Nawaba, Mazi. Greeting to you in the name of Jesus, of the Lord Jesus. This is Pastor Nazir. Alléluia. Here from the Pakistan. Hope all is well. God bless you, Pastor Nazir. God bless you. Alléluia. Vanessa, Mia, Francesca, Jean-Baptiste. Alléluia. May God bless you. Vanessa, Mia, Francesca, Jean-Baptiste. God bless you. Where are you watching us? Qui vous regardez nous? Mon Niki, bye bye. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du soir. Nous vous donnons rendez-vous encore demain matin, si Dieu veut, pour l'autre émission, l'offrande du soir. Bye bye.